Connaissance, recherche, science, des sciences, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférence, archéologie, nature. Monsieur l'administrateur, chers collègues et amis, et mesdames et messieurs, je vous remercie d'être là. Alors, vous savez que enseigner, c'est répéter. J'ai beaucoup apprécié l'exposé tout à l'heure de la conférence de Monsieur Armand de Riclès, mais j'étais très contente qu'il dépasse son temps. Sinon, je crois que je n'avais vraiment plus rien à dire. Et alors, je suis très fière de cette photo parce qu'en fait, elle est prise à l'hôtel Charles Darwin à Puerto Natales où j'étais il y a un an. Et vous me voyez sous le portrait de notre illustre prédécesseur. Donc aujourd'hui, je vais vous parler, c'est un petit peu un sujet imposé que Alain Prochian m'a demandé de traiter, sur la théorie synthétique et le saltationnisme. Alors ça, c'est pareil, enseigner, c'est répéter. Donc le mécanisme fondamental de la sélection naturelle tel qu'il était vu par Darwin repose donc sur l'idée de variation, sur l'idée que ces variations individuelles sont corrélés à des variations sur la survie et la fécondité, c'est-à-dire que certains variants vont se reproduire ou vont survivre mieux que d'autres, et au moins une partie de ces variations est héritable, donc transmise à la descendance. Et si vous répétez ça beaucoup de fois, vous arrivez effectivement au mécanisme inéluctable d'augmentation progressive de la fréquence de ces variations avantageuses dans les populations naturelles. Donc c'est le fondement de Darwin. Alors, on a beaucoup parlé aussi du fait qu'il avait lu Malthus, que ça l'avait influencé au sens où il était nécessaire que les ressources soient limitées. Je crois que cette hypothèse n'est absolument pas nécessaire à la sélection naturelle. Tous les gens qui font de la microbiologie et qui font des repiquages successifs de bactéries savent bien que même en croissance exponentielle, sans ressources limitantes, la sélection naturelle fonctionne aussi. Donc, c'est une hypothèse qui, finalement, n'est pas nécessaire, même si, historiquement, c'est elle qui a amené Darwin à proposer son mécanisme. Là encore, une photo que vous avez déjà vue, c'est la seule illustration de l'origine des espèces, du livre fondateur. Donc c'est une illustration qui est vraiment importante. Alors pourquoi est-ce qu'elle est importante? Eh bien, alors, elle s'arrête ici. Donc Darwin n'ose pas faire remonter à une origine commune l'ensemble du vivant. Il était encore assez prudent, mais on voit bien quand même que ça va converger vers une origine commune. Il n'a pas osé le dire. Ce que vous voyez ici, ce qu'il appelle des taxons, il ne parle pas d'espèces. Pour lui, ça ne fait pas de différence, ce soit des individus, des organismes, des populations, des clades, peu importe. Le mécanisme principal, c'est qu'on a certains taxons qui restent comme ça, inchangés, tout au cours de l'évolution. Donc il y a une dimension temporelle à cet arbre, en partant de cet ancêtre commun. Donc certains taxons restent inchangés, ce qu'on appelle aujourd'hui des stases évolutives, si vous voulez. Et puis d'autres taxons, sous l'effet éventuellement de la compétition, mais aussi de l'hétérogénéité du milieu, vont diverger et vont se diversifier. Alors, je crois que ça ne va pas rester jusqu'au bout. Je vais le faire ici. Donc, sous l'effet de la sélection diversifiante, vous allez avoir certains taxons qui vont évoluer, qui vont se modifier progressivement, vous voyez, sur un axe comme ça, ce qu'on appelle l'anagenèse. Et puis, si le milieu est suffisamment hétérogène, on va avoir une diversification, toujours sous l'effet de la sélection naturelle, avec production de clades complètement nouveaux. Alors, ce que vous voyez, ce qui est intéressant sur ce graphique, c'est là qu'on trouve quand même l'idée de compétition, c'est que c'est toujours les extrêmes qui se diversifient. Et donc là, on voit bien un concept qu'on connaît bien aujourd'hui, c'est-à-dire que les individus ou les espèces qui occupent une même niche écologique sont plus en compétition que des espèces qui occupent des niches écologiques très différentes. Vous voyez qu'ici, une fois qu'on est là, on a des taxons qui sont dans des niches écologiques extrêmement différentes, alors que là, elles sont toutes sur la même niche. Puis, éventuellement, on a des extinctions d'espèces, des clades qui réussissent à se maintenir jusqu'à aujourd'hui, et puis d'autres qui s'éteignent. Voilà, j'insiste un petit peu là-dessus. Comme je vous l'ai dit, c'est la seule figure de l'origine des espèces. Et je crois que là, on a vraiment les points fondamentaux de Darwin, une origine commune, et une évolution diversifiante sous l'effet de la sélection naturelle, cette sélection naturelle dépendant des époques et des milieux. Alors, à cette reprise dans l'origine des espèces, on trouve cette phrase « Natura non facit saltum », « La nature ne fait pas de saut ». Et Darwin écrit
cette phrase-là, « If it could be demonstrated », je vais la lire en français, « si on pouvait démontrer qu'on peut trouver un organe complexe dont on pourrait montrer qu'il n'a pas été formé, qu'il ne pourrait pas avoir été formé par des petites modifications nombreuses, progressives, ma théorie s'effondre. » D'accord ? Donc ça, c'est ce que Darwin écrit. Et donc Stephen Jay Gould, qui a écrit, donc qui est mort il y a 7 ans maintenant, juste avant de mourir, il a produit ce gros volume dont il dit lui-même que c'est aussi un long argument, tout comme la théorie, comme l'origine des espèces. Ça fait effectivement 2000 pages. Alors on trouve plein de résumés hein, sur Internet. Mais je vous encourage quand même au moins à essayer de le lire. Donc, ce que dit Gould, c'est qu'en fait, il y a 3 choses fondatrices dans l'œuvre de Darwin. Vous avez d'une part ce qu'il appelle agency, une origine commune, donc ce qui est à la base de cet arbre. Bon, donc ça, il propose qu'on ne le remette pas en cause. Mais par contre, vous avez ensuite ce qu'il appelle l'efficacité et le scope, l'applicabilité, qui est l'évolution graduelle par sélection de petites variations. Donc ça, c'est est-ce que la sélection naturelle est efficace sur des petites variations ? Et d'autre part, l'applicabilité au sens de gradualisme phylétique. Est-ce que les patrons de macroévolution peuvent être expliqués par la microévolution ? Et Stephen Jay Gould répond non. Donc je vais prendre ces 3 points un par un. Et donc je vais redire des choses qu'on a dites ce matin. Je vais peut-être aller un petit peu vite. Premièrement, le premier sens de gradualisme chez Darwin, c'est la continuité matérielle, donc le gradualisme, dans la transmission de l'information. Et la seule opposition qu'on a à ça, c'est le créationnisme. Alors, les précurseurs de ce saltationnisme ou de ce créationnisme, c'était Linné. Linné, donc, qui était à l'origine de tout le système de nomenclature actuelle des espèces, et qui, en 1737, c'est pas dans son ouvrage majeur, c'est 2 ans plus tard, dans un traité de botanique, écrit ceci: l'auteur de la nature, en créant les espèces, imposa à ces créatures une loi éternelle de reproduction et de multiplication dans les limites de son propre type. Donc ça, c'est vraiment important. Il crée des espèces et après, on reste dans son type. Alors tout de même, Linné, alors c'est peut-être le premier mutant qu'on croyait homéotique à avoir existé. On sait aujourd'hui qu'ici, c'est des modifications épigénétiques, en fait, dans un gène de développement. Toujours est-il qu'à l'époque, un étudiant apporte à Linné cette plante dont il voit bien que ça ressemble à l'inert vulgaire, hein, c'est en fait, c'est comme si on avait associé 5 fleurs ensemble, mais c'est tellement différent qu'il lui donne un nom de genre différent, Peloria, qui va en fait dire monstre en grec, mais quand même ça le perturbe, et au point que quelques années plus tard, il écrit: j'ai longtemps nourri le soupçon, et je n'ose le présenter comme une hypothèse, que toutes les espèces d'un même genre n'ont constitué à l'origine qu'une même espèce qui s'est diversifiée par voie d'hybridation. Donc, vous voyez que même Linné avait cette idée. Et puis finalement, bon, il a dit, bon, allez, d'accord. Les genres, ça crée des espèces, ça évolue, mais quand même Dieu a créé les genres. Il y a quand même un progrès. On a parlé de Cuvier. Bon, Cuvier, il a fait des tas de choses, effectivement, mais il a surtout montré que, contrairement à ce qu'on pensait, et contrairement, je crois, à ce que disait Lamarck, les espèces s'éteignent brutalement, d'où la nécessité, évidemment, comme il était quand même extrêmement créationniste, de créations successives, hein, les créations spéciales dont vous avez entendu parler tout à l'heure. Bien, je passe sur cette origine. Et donc, aujourd'hui, ce type de gradualisme est complètement largement admis. Il y a guère quelques illuminés qui vont vous prétendre le contraire, et surtout, il ne faut pas les croire. Alors, le sens 2 est peut-être plus intéressant. Je vous expliquerai pourquoi plus tard, si vous voulez. Mais... Le sens 2, c'est donc cette phrase que je citais de Darwin tout à l'heure, des organes nouveaux, entiers, peuvent apparaître graduellement sous la sélection naturelle. C'est en ce sens-là que Darwin est vraiment gradualiste. Donc son problème, c'est d'expliquer comment est-ce qu'on peut faire apparaître des yeux, comment est-ce qu'on peut faire apparaître des ailes à des oiseaux. Effectivement, il ne voit pas comment ça peut apparaître spontanément, sauf par la main de Dieu, et donc il est bien obligé d'être gradualiste. Et en opposition à ça, ce n'est pas tellement les créationnistes, c'est le rôle prépondérant des macromutations dans la diversification. On en a entendu parler un petit peu tout à l'heure, donc je vais insister là-dessus. Pour Darwin, il a bien vu qu'il y avait des macromutants dans les populations naturelles, ce qu'il appelle des sports, qu'on traduirait peut-être par des caprices de la nature, mais à ça s'oppose ce qu'il appelle les mere variations, les petites différences individuelles. Et pour Darwin, ce sont ces différences-là qui sont importantes, parce qu'effectivement, il n'a jamais vu un poumon apparaître de nouveau. Alors les contemporains de Darwin dont on a parlé, Thomas Huxley, lui fait une lettre en disant « Je ne comprends pas pourquoi vous vous embarrassez de ces choses, de cette hypothèse non nécessaire de gradualisme, la nature fait des sauts. »
Et puis, Francis Galton, le cousin de Darwin, qui est à l'origine de l'eugénisme, même s'il n'y a jamais eu de pratique eugénique en Angleterre, a fait beaucoup d'expériences. Alors, Galton, c'était un type fascinant. Hein. Il a fait des guides de voyage, il a fait des cartes météo, il a fait des tas de choses. Et il a étudié à la fois des pois et l'homme. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il prend des gens qui sont grands, ou des plantes qui sont grandes, et il regarde quelle est la taille moyenne des descendants de ses parents grands. Et ça, c'est la projection. Ici, vous avez les descendants en ordonnée. Et il se rend compte que les parents les plus grands font des descendants plus petits qu'eux. Puis il va de l'autre côté, les parents petits font des descendants qui sont en moyenne plus grands qu'eux. Autrement dit, il y a ce qu'il y a appelé une réversion, puis après il appelait ça une régression vers la médiocrité. Vous voyez pourquoi après ça a donné l'eugénisme, hein, il se disait la sélection naturelle ne peut rien faire là-dessus. Alors on trouve deux idées. Donc on trouve cette idée de régression vers la moyenne de la population. Et donc pour lui, cette variabilité, ces petites variantes sur lesquelles Darwin insistait, en fait, ça n'est pas stable. C'est ce qu'il a appelé l'instabilité organique. Ces toutes petites variations, on a forcément un retour comme un élastique, on tire. Alors on a beau sélectionner, de toute façon, ça revient vers la moyenne. Donc pas de possibilité de sélection naturelle sur ces petites variations, d'où l'idée qu'il fallait absolument des grosses variations pour que la population puisse évoluer. Et donc la sélection naturelle, selon Galton, c'est peut-être le premier saltationniste, utilise principalement la variation discontinue d'effets forts plutôt que des petites différences individuelles. Alors notez bien que la controverse n'est pas sur le rôle de la sélection naturelle dans la diversification. Galton est un sélectionniste convaincu. D'accord ? Lui, c'est uniquement la sélection naturelle sera plus efficace sur des grosses variations que sur des petites variations parce que les petits variants sont organiquement instables. Mais il ne remet pas du tout en cause le rôle prépondérant de la sélection naturelle dans l'évolution et la diversification. À l'inverse, William Bateson, donc, qui a inventé le mot génétique après la redécouverte des lois de Mendel, alors c'est quelqu'un qui était un élève de Balfour, qui était un embryologiste, mais qui... alors je ne sais pas si ça vient de ses origines sociales, qui était un petit peu que ça lui plaisait, les macromutants. Et il était convaincu par les arguments de Galton, selon lesquels la sélection naturelle ne pourrait pas être efficace sur des petites variations, mais ça l'a amené en fait à quasiment rejeter l'idée de sélection naturelle. Et il a passé son temps à chercher dans les musées, dans les zoos, des monstres. Il cherchait des monstres, et pour lui, c'était ça l'évolution, en particulier l'origine de nouvelles espèces. Donc lui se réclamait beaucoup de Galton, c'était un grand admirateur de Galton. Mais un autre grand admirateur de Galton, qui était son élève aussi, Carl Pearson. Donc, Galton a inventé la régression, a créé toute l'école de biométrie. Carl Pearson, c'est celui qui a inventé le Qi2, pour ceux qui font un petit peu de statistiques. Et Walter Weldon, qui était au lycée avec Bateson, ces deux-là, ça a été la grosse guerre avec Bateson, parce qu'en fait, eux disaient, mais non, Galton a inventé cette distribution normale. Il s'est trompé dans son interprétation de la régression vers la médiocrité. En fait, c'est la régression vers les parents, mais pas vers la moyenne. Il n'a pas vu qu'en faisant de la sélection, ça marcherait. Et donc, ça a duré comme ça plusieurs dizaines d'années. Donc, ces biométriciens gradualistes contre ce qu'on a appelé les saltationnistes. Alors, ça a culminé avec la redécouverte des lois de Mendel, dont on a parlé tout à l'heure, en particulier avec Hugo de Vries. Et donc, ces mutationnistes saltationnistes, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Eh bien, ils nous disent « les mutations d'effets importants, c'est ça le moteur de l'évolution ». Donc, l'évolution d'une génération à l'autre, elle se fait par saut, et non pas graduellement, comme le disait notre illustre ancêtre Darwin. Darwin était mort en 1882, donc il ne pouvait pas du tout se défendre là-dessus. La sélection naturelle, n'en déplaise à M. Darwin et éventuellement à M. Galton, joue un rôle mineur dans l'évolution. Et les espèces, en particulier, apparaissent à la suite de macromutations. Donc, revoyez Bateson avec ses monstres. Alors, on a aussi quelqu'un qui a joué un rôle, c'est Johansson, qui a introduit les notions de lignée pure, de génotype et de phénotype. Et dans son article de 1911, il dit « Natura facit saltus ». Non, elle n'en fait pas qu'un, elle en fait plusieurs. Alors, pourquoi est-ce qu'il arrive à ça ? Eh bien, Johansson fait des expériences où il a des petits pois, et puis il sélectionne des petits pois. Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, M. Galton s'est trompé. Il n'y a pas une réversion vers la moyenne si on travaille sur des lignées pures. Et donc, il s'attache à créer des lignées pures qui, effectivement, ensuite, ne répondent plus à la sélection, mais ne changent plus. Et donc, il en déduit que bon, l'hybridation entre lignées, ça va reconstituer de la variation, mais pas plus que la variabilité initiale qu'on avait entre lignées. Et donc, pour passer d'une lignée à une autre, il faut de la mutation. Il n'avait pas complètement tort. Alors, pourquoi est-ce qu'il se trompait ? Eh bien, il avait une vision extrêmement mendélienne, un gène, deux allèles,
de la diversité. Et en fait, ce qu'on sait maintenant, et ça a été ça qui a permis la synthèse moderne, c'est qu'un petit nombre de locus peut produire, un petit nombre de gènes, vous comprenez, peut produire beaucoup de génotypes. Je vais passer très vite sur les diapos qui arrivent. Voici ce qui se passe si vous avez un seul gène. Ici, c'est un histogramme de fréquence de trois phénotypes qui apporte par exemple un nombre de soies abdominales sur la drosophile, ça peut être ce que vous voulez. Ici, vous avez une lignée pure, un homozygote. Ici, une autre lignée pure qui fait par exemple deux soies de plus. Et puis, au milieu, vous avez l'hétérozygote. Qu'est-ce qui se passe si vous faites une hybridation? Vous créez l'hétérozygote, puis vous refaites de la sélection, vous recréez les lignées pures de départ. Vous n'avez pas augmenté la variabilité. C'est ça que nous dit Johansson. Maintenant, ce qu'il n'avait pas vu, c'est que si on augmente le nombre de locus, eh bien, on augmente considérablement le nombre de combinaisons. Vous avez en fait trois phénotypes possibles, s'il y a de la codominance par locus, donc 3 puissance 10 combinaisons sur l'ensemble si vous avez simplement 10 locus. Et donc ce que Johansson avait vu, c'est qu'on avait un effet du milieu sur la variation des lignées pures, mais il n'avait pas vu qu'en augmentant le nombre de locus, même sans effet du milieu, on avait aussi une distribution normale. Et alors ça, ça a vraiment révolutionné, parce que une fois qu'on a compris ça, on a vu que la variation continue elle-même avait une base discontinue, pouvait avoir une base discontinue, il suffisait d'augmenter le nombre de gènes qui déterminaient un caractère. En outre, dans ces conditions, la reproduction sexuée faisait apparaître de nouveaux génotypes par recombinaison, il n'y avait pas besoin d'avoir de la mutation très souvent. Et en plus, effectivement, le milieu influençait l'expression de la variation. Et donc Galton, quand il nous dit « les extrêmes font des descendants, il y a un retour vers la médiocrité », il a oublié que les gens qui sont grands ou les petits pois qui étaient grands, c'est parce que génétiquement ils étaient grands, mais aussi parce qu'ils étaient bien nourris. Et leurs descendants ne l'étaient pas forcément. Voilà, donc tout ça a permis la synthèse en 1918 de ce qu'on a appelé la génétique des populations, qui est l'œuvre de Ronald Fisher, un autre grand statisticien, Haldane et Wright, un petit peu plus tard, c'est Ronald Fisher qui a commencé. Alors que nous dit la génétique des populations ? Elle nous dit que la sélection naturelle peut agir sur des petites variations à travers l'augmentation de fréquence des allèles sélectionnés, d'où une évolution continue. Autrement dit, là, oui, l'hérédité a une nature particulière, mais en augmentant les fréquences des allèles qui sont à la base de la variation continue qu'on observe, eh bien, on peut faire évoluer des populations. Il n'y a pas cet effet d'élastique que voyait Galton. L'autre point important, on a parlé du hasard tout à l'heure. L'autre point important que voient les généticiens des populations, c'est que le hasard est utile parce qu'il fait apparaître des mutations, mais en fait, il s'oppose à la sélection naturelle, ou en tout cas, il ne la facilite pas, ce qu'on appelle en génétique des populations la dérive génétique. Autrement dit, ce que montrent les généticiens, c'est qu'une mutation qui est unique dans une population, même si elle est avantageuse, elle ne va pas forcément se fixer. En fait, elle a même une chance très élevée d'être perdue par hasard. Je prends un exemple très simple que je donne à mes étudiants tous les ans. Si vous sortez dans la rue et vous faites être écrasé par un camion, ça ne veut pas dire que vous aviez de mauvais gènes. Alors maintenant, si toute votre famille, avec des événements indépendants, se fait écraser régulièrement quand ils sortent dans la rue, on peut commencer à se poser des problèmes, à se poser des questions. Mais donc, vous voyez, ce qui va arriver à une mutation unique, en général, c'est qu'elle est perdue. Il faut vraiment qu'elle ait un avantage monstrueux pour pouvoir augmenter en fréquence. Ou qu'elle apparaisse régulièrement. Et comme on peut penser, et ça les gens étaient d'accord, que les macromutations d'effets très forts apparaissent beaucoup plus rarement que des petites mutations, eh bien on peut penser que ces macromutations contribuent peu à l'évolution et en particulier à la diversification. Donc ça, c'était le programme de la génétique des populations. Alors ce qu'on a appelé la synthèse moderne, j'ai vu tout à l'heure que Armand de Riclès avait mis 1940-1970. Bon, moi je mets ça à la fin de la génétique des populations. Donc c'est un ensemble de personnes que vous avez ici, vous voyez que c'est seulement des hommes, hein, je crois, malheureusement, qui sont allés sur le terrain, qui ont fait des expériences. Alors Simpson, c'était un paléontologiste, Dobzhansky travaillait sur les drosophiles, Stebbins sur les plantes, Ensmer sur les oiseaux et plein d'autres choses. Julian Huxley, je ne sais pas sur quoi il travaillait d'ailleurs, mais c'est lui qui a inventé le terme de synthèse moderne, qui était au passage le petit-fils de Thomas Huxley, le bulldog de Darwin. Et donc ces gens-là montrent que bah oui, les populations, elles évoluent graduellement et elles divergent les unes les autres sous l'effet de la sélection naturelle. Ils introduisent les concepts d'espèces, de spéciation, etc. Donc tout va bien. Alors qu'en est-il aujourd'hui? Alors aujourd'hui, effectivement, on ne sait toujours pas faire apparaître des organes nouveaux, entiers, brutalement. Par contre, on connaît plusieurs exemples d'évolution très rapide, c'est-à-dire que les macromutations ne sont pas du tout nécessaires
à des évolutions rapides. Je vais vous, juste vous donner quelques exemples. Un exemple ici carrément de spéciation très rapide. Chez les plantes, on connaît beaucoup d'exemples. Ce sont des travaux de l'équipe de Lauren Risberg aux États-Unis. Alors, les tournesols sont issus des États-Unis, ont leur origine là-bas. Ici, vous avez Helianthus annus, ça c'est une forme sauvage, mais qui a donné le tournesol cultivé. Helianthus specularis, une autre espèce, on sait les croiser, on arrive à les croiser de temps en temps. Et en fait, on a une espèce, Helianthus anomalus, dont on sait maintenant qu'elle dérive directement d'un croisement entre ces deux espèces. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a colonisé un milieu complètement nouveau, les milieux désertiques en Arizona. Alors on connaît aussi chez les plantes plein d'exemples comme ça, où par ce qu'on appelle polyploïdisation, c'est-à-dire qu'on duplique tout le génome, on arrive à fabriquer des choses qui sont ensuite isolées reproductivement de leurs prédécesseurs. Un autre exemple, c'est chez les poissons, chez les cichlidés. Ça, c'est un exemple assez amusant, parce que là, on a un isolement reproducteur qu'on dit prézygotique, qui est en fait basé essentiellement sur le... Enfin, vous avez ici des poissons de couleurs différentes. Et en fait, ces poissons-là, ça c'est le mâle et la femelle, se croisent entre eux, mais ne se croisent pas du tout entre eux dans les conditions naturelles. Alors on sait qu'ils ont des signaux sensoriels. En fait, ils sont dans des habitats un petit peu différents dans ces lacs, où la profondeur de l'eau est différente. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec la pollution de l'eau, ils ne se reconnaissent plus. Et là, on se rend compte qu'ils peuvent tout à fait se croiser. Mais on a des évolutions parallèles. Ici, vous avez dans le lac Victoria, ici le lac Malawi. Pour un même genre, vous avez plusieurs espèces comme ça qui ont hébergé des évolutions parallèles dans chaque lac. On a pu montrer que c'est des évolutions indépendantes, avec à chaque fois l'occupation d'une niche écologique différente en fonction de la hauteur d'eau, mais toujours pas d'isolement post-reproducteur. C'est-à-dire qu'on peut les croiser, mais de fait, dans la nature, ils ne se croisent pas. Donc vous voyez que c'est une origine très récente, probablement, et une spéciation en cours. Et un dernier exemple sur des poissons, c'est les gambusies qui mangent les larves de moustiques. Alors vous ne voyez pas sur la diapo, je pense. Ici, vous avez une nageoire caudale qui est plus importante qu'ici. Ça, ce sont des poissons qui sont en présence de prédateurs. Ici, en l'absence de prédateurs, les différences sont basées génétiquement. Hein, ce n'est pas de la plasticité phénotypique. Et là encore, on a une homogamie, c'est-à-dire que ces poissons-là préfèrent se croiser entre eux quand on les met dans un aquarium, et cela entre eux. Et on voit bien pourquoi il est important d'avoir une grande nageoire caudale en présence de prédateurs. Donc des changements très rapides. Alors deuxième aspect, est-ce que ces macromutations qui ne sont pas nécessaires, est-ce qu'elles sont si rares que ça? Eh bien finalement non, peut-être pas. Voici un exemple qui est tiré d'un article de Günther Tesson, qui est quelqu'un qui fait de la génétique du développement. Alors il appelle ça des monstres prometteurs, bon j'essaie d'éviter ce terme. Donc c'est sur la capsule Bursa Pasteur, où il a ici c'est le type sauvage. Ça, c'est un type donc, mutant. Donc, vous voyez, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez quatre pétales ici qui sont remplacés par quatre étamines. Et ces mutants, ce qui est intéressant... Alors ça, des choses comme ça, on vous a montré tout à l'heure le mutant Antenapedia des drosophiles ou d'autres insectes. Ces mutants sont fréquents dans certaines populations. Ce qui est intéressant dans son cas, c'est qu'en fait, ce sont des populations naturelles. Ça fait plusieurs années que ce mutant persiste et il a des fréquences assez élevées. Donc, ça, c'est un monstre. Finalement, non, ce n'est pas du tout un monstre. Alors, comment est-ce qu'il fait pour se maintenir? Eh bien, probablement, comme il produit 4 étamines à la place de pétales, il produit plus de pollen, donc il a peut-être un avantage. En plus, cette espèce est très, très fortement autogame, c'est-à-dire que le pollen va aller féconder directement l'ovule qui est en dessous. Il n'y a pas tellement besoin de pollinisateurs. Donc, on peut penser qu'effectivement, c'est une mutation, finalement, qui est neutre, peut-être voire même avantagée dans des conditions où il n'y a pas de pollinisateurs. Bon, maintenant, ça ne fait pas une nouvelle espèce, puis ce n'est pas un organe complexe très nouveau. Il n'y a rien de nouveau, hein, on a juste remplacé des pétales par des étamines qu'on savait déjà faire par ailleurs. Un autre exemple qui est intéressant, c'est l'évolution du nombre de segments chez les millepattes. C'est intéressant parce que ce sont deux études qui viennent de paraître dans la revue Evolution and Development, qui portent toutes les deux chez des millepattes. Alors ça, ce sont des scolopendres, ce sont des espèces sœurs très proches, ils ont la phylogénie, où en fait on a quasiment un doublement du nombre de segments. Ici ça fait 21 ou 23 segments, ici 39 ou 43 segments. Et apparemment en un temps très court, on a doublé le nombre de segments. Et à l'inverse, chez un autre millepatte, Strigamia maritima, où ici on a une variation à l'intérieur de l'espèce du nombre de segments. Alors ce n'est pas une variation aussi forte que là, hein, ça varie de 47 à 51, mais ils ont pu montrer que cette variation était héritable, c'est-à-dire qu'une mère avec beaucoup de segments, faisait des descendants qui, en moyenne, avaient aussi beaucoup de segments. Il y avait une réversion vers la moyenne, mais c'était un caractère variable. Donc, vous voyez que ce nombre de pattes, il est parfois
C'est une variation parfois graduelle, comme ici, parfois brutale. Et en fait, on ne sait pas très bien, et je ne crois pas que les gens dévo-dévo puissent nous dire pourquoi est-ce que ici, vous voyez, c'est un clade ici, c'est une phylogénie de ces mille pattes, où tout le monde a 21 segments, sauf ces deux scolopendres dont je viens de parler, qu'on a parfois 23, mais parfois même 39 ou 43. Et puis ici, par contre, on a un clade où ça bouge beaucoup, et on a une évolution graduelle. Alors en plus, on a des clines de fréquence, on a moins de segments au nord qu'au sud, des choses comme ça qui sont extrêmement intéressantes, mais je ne crois pas qu'on comprenne pourquoi on a certains clades qui évoluent vers beaucoup de segments ou pourquoi dans certains clades ça bouge et d'autres pas. Donc je crois que les enjeux de l'évo-dévo dont on a parlé, c'est vraiment d'étudier la génétique des différences développementales entre espèces proches, mais c'est aussi de faire de l'écologie du développement. Je crois que Darwin, c'était le premier écologiste, hein, puisque c'est lui qui a proposé l'évolution avec diversification sous l'effet de la sélection naturelle, à cause de l'hétérogénéité du milieu. Je trouve qu'il faudrait que les généticiens du développement sortent de leur labo et aillent sur le terrain et nous disent un petit peu, ben voilà, qu'est-ce qui va se passer. Alors, ça, on ne sait toujours pas prédire les innovations. On sait dire que c'est basé sur peu de gènes, beaucoup de gènes, on ne sait pas les prédire. Alors, on entendra parler cet après-midi d'épigénétique. Il y a aussi des gens qui réfléchissent à la théorie des systèmes complexes qui essaient de montrer, on en a un petit peu parlé peut-être avec Jean-Pierre Changeux ce matin, comment à partir d'interactions finalement simples, on arrive à faire des choses extrêmement complexes. Bon, il y a des réflexions en cours là-dedans, ça n'est absolument pas mon domaine, donc je ne vous en dirai pas plus que ça. Voilà, donc pour conclure sur ce deuxième aspect du gradualisme de Darwin, donc ces macromutations ne sont pas si rares. Certaines des évolutions rapides sont dues à des remaniements majeurs, comme des doublements du stock chromosomique, des duplications, des choses comme ça, d'autres pas. Mais on n'a pas encore d'exemple d'organes entiers nouveaux apparus brutalement. Et la sélection naturelle, pour l'instant, reste un moteur majeur de diversification et de spéciation. Quand je vous dis qu'on a doublé le nombre de segments de ces mille pattes, de ces scolopendres, on n'a absolument aucune idée de si c'est ça qui a fait un isolement reproducteur et une diversification ensuite, ou est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est apparu après. On ne sait absolument pas ça. Dernier aspect du gradualisme de Darwin, c'est le gradualisme phylétique. Est-ce que la macroévolution est ou non explicable par la microévolution? Donc en opposition, la réponse est non. Donc je vous le disais, un des champions de ça, c'est donc Stephen G. Gould. Et lui répond, alors le problème c'est quoi? C'est la discontinuité, en particulier dans les registres fossiles. On n'a pas de forme de transition. Alors Simpson disait, bon, c'est des problèmes de sédimentation, etc. Est-ce qu'elles sont réellement absentes? Gould lui dit oui. Et Gould a joué un rôle énorme parmi les paléontologistes parce qu'en fait, il leur a un petit peu redonné confiance dans leur propre discipline. On n'arrêtait pas de leur dire, bon, mais vos données fossiles, là, il manque des tas de choses. Et Gould leur dit, non, il ne manque rien, ils ne sont pas là. Mais en tout cas, ça a été tellement rapide que de toute façon, on ne peut plus les voir. Et puis, donc Gould propose que, en fait, l'évolution se fait par saut sur quelques milliers de générations et puis ensuite, ça suit avec des stases qui durent plusieurs millions d'années. Alors, est-ce que les stases et les ponctuations peuvent être prédites par la microévolution, par la génétique des populations, si vous voulez? Gould répond non. Alors, je vous remets cet arbre-là. Ce que vous voyez, c'est qu'on a bien, chez Darwin, des stases. Les stases ne lui posent aucun problème. Alors, et puis, on a aussi des événements de ponctuation. Alors, vu par Gould, ça donne ça. Bon, moi, je ne trouve pas que ce soit très différent, mais on peut penser que c'est très différent. En tout cas, il y a des échelles de temps qui sont impliquées, qui sont différentes. Mais Gould était profondément darwinien, c'est-à-dire qu'il n'a jamais remis en cause l'évolution par la sélection naturelle à l'intérieur des espèces. Donc, il n'a jamais dit qu'il fallait des macromutations pour passer d'une espèce à l'autre. Alors, au début, il disait qu'on ne peut pas avoir de diversification sans spéciation. Dans son ouvrage de 2002, il dit « Bon, j'ai dit ça il y a 15 ans, mais c'était stupide ». Je reviens tout à fait sur ce que j'ai dit. Donc, finalement, Gould de 2002, je crois que beaucoup de gens seraient d'accord avec ce qu'il dit. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a des explications à ces stases évolutives. Alors, comment est-ce qu'on peut les expliquer? Première explication, qui avait d'ailleurs été proposée par Eldredge, l'ami de Gould, c'est la sélection stabilisante. Qu'est-ce que ça veut dire, sélection stabilisante? Ça veut dire qu'on sélectionne pour toujours le même optimum phénotypique. Hein, on sélectionne toujours pour la même chose, donc il n'y a pas de raison que ça change. Et puis, une autre façon, ça serait simplement si les espèces peuvent migrer pour aller. On sait que chez les arbres, c'est un petit peu ce qui se passe. Quand il y a des changements climatiques, en fait, ils se déplacent de façon à rester toujours dans le milieu auquel ils sont adaptés. Donc, sélection stabilisante, ça ne veut pas du tout dire qu'il n'y ait pas du tout de changement dans les conditions de milieu. Ça veut dire que les espèces s'arrangent pour rester dans le milieu auquel, ou les individus plutôt, s'arrangent pour rester dans les milieux auxquels ils sont adaptés. Donc, ça, on a des exemples de ça.
Donc, hein, c'est la Cante, il n'a quasiment pas changé en 250 millions d'années. Bon, il vit au fond des océans, on peut dire que les conditions là n'ont peut-être pas trop changé. Ces crevettes, pas de changement de visible en 180 millions d'années. Alors, elles vivent dans des mares temporaires dans les milieux désertiques. Bon, c'est peut-être plus difficile d'imaginer que le milieu n'a pas changé du tout, mais peut-être qu'elles sont capables de choisir leur habitat. Mais Gould nous dit, et c'est là ce qu'il a fait le plus intéressant, je pense, c'est qu'il dit non, ça c'est bien, mais en fait il y a des tas d'exemples où le milieu change, il aurait fallu changer, et pourtant il y a quelque chose qui empêche les espèces de changer. Ça n'est pas du tout l'action du milieu extérieur qui fait qu'il y a certaines formes qui sont sélectionnées, c'est une action du milieu intérieur, ce qu'on appelle les contraintes internes de développement. Par exemple, le fait que les insectes aient gardé 6 pattes depuis le début, c'est pas que c'était pas bien d'en avoir 8, d'ailleurs il y a des araignées, d'autres arthropodes qui en ont 8, c'est juste qu'ils ne sont pas capables d'avoir autre chose que 6 pattes. Donc ça, c'est un article qui était célèbre de Gould et de Lewontin. Lewontin était un généticien des populations, au passage, en 1979, sur les pendentifs de Saint-Marc, qui était l'église à Venise. Et donc, ce que dit Gould, c'est regardez ici ces petits pendentifs. Alors, ce que vous avez ici, ce sont les évangiles qui déversent la bonne parole sur vous avez 4 piliers comme ça dans cette cathédrale, qui déversent la bonne parole sur les 4 fleuves bibliques. Je crois qu'ici, c'est le Tage. Et donc, Gould dit regardez comme c'est magnifique, ces 4 piliers avec ces pendentifs. On pourrait croire que l'architecte a fait exprès de façon à mettre ces quatre évangélistes comme ça. Alors, ce que dit Gould, je crois, à tort maintenant, c'est qu'en fait, il n'y a pas de moyen. Si vous voulez arriver à faire sur 4 piliers, mettre un dôme sur 4 piliers, il n'y a pas d'autre moyen que de faire apparaître ces structures. Bon, on sait aujourd'hui que ce n'est pas complètement vrai, mais l'argument était quand même assez fort à l'époque, c'est de dire c'est pas parce que vous voyez quelque chose que cette chose a évolué par sélection naturelle dans le but de produire cette chose-là. On a parlé d'exaptation tout à l'heure, c'est exactement ça. Et donc, par exemple, on peut penser, on a des modèles qui montrent que, vous pouvez vous demander pourquoi est-ce que vous faites de la reproduction sexuée, c'est un mystère. Vous pouvez trouver que c'est bien, hein, ça c'est pas le problème. Mais la question de pourquoi est-ce qu'on se reproduit sexuellement, c'est quelque chose qui pose question aux évolutionnistes depuis les années 70. Et donc, il est possible que la raison pour laquelle on garde de la reproduction sexuée, ce soit simplement qu'il est impossible de faire autrement. Hein, par exemple, chez l'espèce humaine, bon, à part il y a 2000 ans et encore c'est remis en cause, on n'a pas d'exemple de parthénogénèse. On sait avec les gènes de développement qu'on a des gènes des facteurs de transcription, des génox extrêmement conservés, et là on peut penser que là encore il y a des contraintes. Alors, est-ce que j'ai le temps ? J'ai bientôt fini. Donc, ces niveaux de donc, ça amène Gould à mettre je vous ai dit, Gould, en fait, il a fait 2 apports majeurs. Il a remis en cause ce programme adaptationniste, cette idée que la sélection naturelle, tout pouvait être expliqué par la sélection naturelle. Et lui, ça l'amène à proposer que, en fait, quand on regarde un arbre du vivant, eh bien, certains clades vont produire plus d'espèces que d'autres. Si je reprends l'exemple de la parthénogénèse, ici, vous avez en vert des espèces qui ont trouvé le moyen de faire évoluer la parthénogénèse et qui l'ont fixée. Ici, en mauve, des espèces qui n'ont pas trouvé ce moyen. Et effectivement, ce qu'on montre, ce qu'on sait depuis Maynard-Smith, c'est que les espèces qui ont trouvé une façon d'évoluer vers la reproduction asexuée en font en fait moins d'espèces, moins d'événements de spéciation et s'éteignent plus souvent. Donc vous voyez ici apparaître une sélection à l'échelle des clades, une sélection au niveau entre espèces qu'on ne peut pas prédire par la microévolution. D'accord ? Autrement dit, là, vous pouvez imaginer, ça c'est ce que dit Pierre-Henri Gouillon, vous avez des contraintes. Ici, ces espèces-là ont été incapables d'inventer la parthénogénèse et ça amène ce clade-là à être plus productif en termes d'espèces et qui s'éteignent moins longtemps. Donc, une sélection sur les contraintes qui s'exerce au sein des lignages. Donc, pour conclure sur cette troisième partie, eh bien, aujourd'hui, on admet qu'effectivement, toute la macroévolution n'est pas expliquée par la microévolution, par la génétique des populations. On admet qu'il y a des variations dans les rythmes d'évolution, il y a des extinctions de masse. Vous savez que les dinosaures, bon, il y a plein d'hypothèses sur pourquoi est-ce que les dinosaures se sont éteints. Le plus probable, c'est une conjonction de météorites et de volcanisme. Ça n'a évidemment pas grand-chose à voir avec l'évolution par la sélection naturelle, à moins de penser que les météorites ont fait exprès de tomber sur les dinosaures, mais personne n'y croit, bien sûr. Sélection entre clades, bon, il y a encore des gens qui ne sont pas complètement d'accord. Moi, je pense qu'il n'y a pas de raison de refuser ça. Possibilité d'existence d'innovation brutale, là j'attends les travaux des évo. Mais le problème, c'est qu'avec tout ça, on n'a pas plus de pouvoir explicatif
de la macroévolution. On sait juste dire que ce qu'on voit en microévolution ne va pas expliquer les grands patrons macroévolutifs. Mais on ne sait pas plus prédire ce qui va se passer. Je crois que tout à l'heure, l'exposé précédent nous disait, en fait, c'est une science bizarre parce qu'on ne cherche pas à prédire le futur. Et en fait, on cherche à prédire le passé. Et on n'est pas capable de le faire aujourd'hui. Voilà, donc le gradualisme est-il vraiment nécessaire à la théorie de Darwin? Une origine commune, oui, encore une fois. L'évolution graduelle par sélection de petites variations, non. Et le gradualisme phylétique, non plus. Alors Darwin lui-même, je reprends la phrase que je citais au début, qui a beaucoup été interprétée en disant « si on peut montrer des variations brutales, alors la théorie s'écroule ». Ce n'est pas du tout ça qu'il dit Darwin. Darwin, si je traduis en fait ici en termes un petit peu de logique, il dit « si on peut montrer que l'apparition graduelle d'un organe complexe est impossible, alors ma théorie est fausse ». Si vous avez fait un petit peu de logique, vous savez que P implique Q, ça implique que non Q implique non P. C'est-à-dire que le contraire de théorie fausse et théorie juste implique application graduelle, apparition graduelle possible. D'accord ? Ça n'est pas apparition brutale possible implique que la théorie est fausse. Alors ça, c'est vraiment important parce que je suis allée à plusieurs conférences créationnistes à Montpellier, malheureusement le cancer est partout, et je leur expliquais, mais non, il n'y a pas de problème, l'évolution rapide, ça existe. Oui, oui, mais dans votre laboratoire, vous n'avez jamais réussi à faire apparaître des espèces. Alors d'une part, ceci est faux, je crois que je vous ai montré les exemples d'Helianthus, on sait faire apparaître des espèces, donc les apparitions brutales sont possibles, et je ne vois pas du tout, ça n'implique absolument pas que la théorie est fausse. Alors évidemment, si on reprend la phrase de Darwin, il est complètement impossible de démontrer que quelque chose est impossible. J'aimerais bien qu'on démontre que Dieu n'existe pas, mais il est impossible de démontrer ça. Et Darwin a proposé beaucoup d'autres manières de falsifier sa théorie que celle-ci, parce que s'il n'y avait que ça, on ne serait pas très à l'aise. Voilà, donc en conclusion, je pense qu'on peut dire que donc ça, c'était la vision de Gould. Hein, je vais casser un petit peu cette branche-là et cette branche-là. Bon, en fait, il l'a un petit peu cassé, mais pas tant que ça. Il a rajouté simplement certaines briques, probablement surtout ici. Est-ce que c'est surtout un problème d'échelle? Ce problème ne se pose que lorsqu'on cherche, en fait, les gens qui se posent la question, ce sont les gens qui cherchent à comprendre l'évolution des formes. Or, n'oubliez pas que la plupart des espèces du monde vivant, ça n'est ni vous dans cette salle, ni même des gens qui vous ressemblent, ni même des singes, mais ce sont des micro-organismes et qui ont bien d'autres types de contraintes, par exemple d'ordre métabolique. Et on sait faire maintenant des expériences d'évolution expérimentale en laboratoire, on n'a aucun mal à faire apparaître des saltationnistes. Alors simplement, là, ce sont des contraintes, évidemment pas de développement, puisqu'on ne peut pas vraiment parler de développement, mais des contraintes d'ordre mutationnel, ou de trajectoire mutationnelle. Donc on commence à avoir beaucoup d'exemples de ce cas-là. Mais dans tout ça, le rôle central de la sélection naturelle dans la diversification n'est absolument pas remis en cause, sauf dans notre façon d'interpréter les observations. On a abandonné effectivement le programme adaptationniste des années 70, on admet le rôle du hasard extrêmement important, on admet la contingence. Mais ça ne veut pas dire que la sélection naturelle n'a pas eu un rôle majeur et a un rôle majeur dans l'évolution. Alors les apports importants de Gould, hein, donc c'est l'idée de contrainte, le rejet du programme adaptationniste, et puis cette idée de sélection hiérarchique. On a parlé ce matin de sélection au niveau du cerveau. On n'a pas que la sélection entre clades, on peut aussi descendre au niveau intra-organisme. Ça marche aussi. Avec, pareil, le hasard, la sélection naturelle. Et je voudrais terminer sur cette interview de Jean Rostand. Alors je ne vais pas vous passer le film, ne serait-ce que parce que je pense que je n'ai pas les droits d'auteur. C'est un interview à la télévision où il dit « La sélection naturelle est peut-être toute puissante, mais elle est impuissante à me convaincre, penser que d'une amibe, on ait pu passer à Bernard Shaw ou à un membre de l'Académie des sciences. C'est une idée très séduisante et on aura du mal à en débarrasser la science. » Et je pense qu'effectivement, on ne va pas en débarrasser la science et c'est très bien comme ça. Je vous remercie.